nous voilà du coup pour la petite vidéo du setup pour la petite R32 4 portes. Donc, on va commencer par le kit carrosserie. Le missile, hein, très important, comme je dis toujours, de bien respecter les kits carrosserie. Et tous les kits n'ont pas la même largeur, donc pas le même train. Et du coup, ça peut pas être bon au niveau du fit. Donc, si là, vous changez le kit et qu'il y a vraiment le même fit à des portes, il n'y a pas de débordement d'ailes ou quoi. Ça va, s'il y a des débordements d'ailes, faut pas changer de kit. Là, on est en ultimate. Alors, là, on est hyper haut sur l'avant. On dirait pas pourtant d'avoir 18. Normalement, 18, c'est pratiquement un 4-4. Mais là, je sais pas pourquoi qu'elle a des valeurs élevées d'origine, celle-là. Donc, on est souple, hein, un peu comme d'habitude. Hein, on ne change pas. Une recette qui marche. 44-40. Donc là, 1700, 1650. 2100. On a mis à peu près plus bas 2060. On s'est rapproché un peu. Là, ça va être la valeur pour moi la plus importante, comme je dis toujours, pour avoir une bonne stabilité. Donc, on a mis l'arrière beaucoup plus élevé. Comme on peut voir, là, il n'y a que 50 d'écart. Là, il n'y a que 40. Et là, il y a, allez, grosso modo, 300 d'écart. C'est même 300, ouais. Donc, compression 6740, 7100. Mon petite ouverture à moins 0,30. L'arrière à 10. Ça, c'est pour vraiment que la voiture prenne de l'extérieur pour l'avant. Et plus on va monter, plus elle va prendre de l'extérieur. Mais du coup, ça peut jouer un peu sur, sur les angles. Donc du coup, il faut faire quand même attention. Elle va peut-être prendre un peu plus d'angle, mais elle risque de spin un peu plus vite. Donc attention. Carrossage. Alors que j'ai mis 11, donc on est vraiment hyper élevé. Mais ça l'aide énormément à prendre de l'angle. Surtout que elle n'a pas non plus, on va dire, le châssis vraiment qui prend de l'angle. Là, on va bloquer à peu près sur du 71, 72 en fonction de comment on gère le joystick. Après, elle va commencer un peu à dire Tokyo, hein, en fonction. Donc après, il faudra mettre des coups de clutch et des trucs comme ça pour la faire revenir. Après, c'est pareil, ça dépend de l'entrée de virage, ça dépend le rapport, ça dépend de plein de choses. Elle est pas dégueu, mais au niveau du châssis, c'est vraiment pas la meilleure du jeu. Et puis même au niveau du turbo, elle a trop de pression, elle patine pour rien. C'est pas mal, hein, qu'elle patine, hein, mais là, elle patine vraiment pour rien. Donc on a l'arrière à moins 5, 14 et 12. Donc ça, angle de braquage, hein, toujours au max, ça changera jamais. Ackerman 57 avec un angle à 4,8. Donc on a réduit pour vraiment avoir un petit côté smooth dans le transfert. Niveau des roues, bah, comme d'hab, hein, on reste sur à peu près un côté un peu IRL. Donc on est en 17-230. Pression, on est à 2,35 à l'arrière pour qu'elle glisse. Donc là, ça va être pareil. Donc là, sur ce truc-là, pour ceux qui trouvent qu'elle glisse de trop, qu'elle est trop lente, qu'elle n'a pas cette grippe ou autre, descendez à 2,15. Si à 2,15 pour vous, elle glisse encore trop, descendez à 200. 200, normalement, ça devrait être entre, on va dire, de la très bonne glisse avec un petit chouïa de grippe. Si vous mettez 150 ou autre, mais là, elle va avoir un grip, ça va être une flèche. Si vous voulez rouler comme une flèche, allez-y, mais c'est pas le but du setup. Donc après, si vous mettez trop bas au niveau de la pression, il faudra forcément changer les rapports. Parce que les rapports sont faits pour justement cette pression-là qui fait qu'elle va monter vite dans les tours. Si vous mettez plus de grip, bah forcément, ça va tellement adhérer que son régime va monter moins vite. Et puis bah forcément, bah, tout le rapport sera réglé. Donc si vous gérez les rapports, allez-y. Adhérence 90, profil 30. Donc là, devant hyper large à 12, du haut carrossage aussi. À l'arrière, on a à 3, on peut même le monter à 4. Mais je crois que de mémoire, 4, ça traversait les ailes, vu qu'elle est hyper souple. À tester. Mais je crois que c'était pour ça que j'avais mis 3. À voir. Peut-être qu'entre 2, j'ai peut-être fait une mauvaise manip. À tester. Donc là, 500 chevaux. Donc, soupape. Ça, c'est le bruit. Donc, moi, je le mets pas. Parce que franchement, ce truc-là, je vois même pas du tout la différence de bruit. Depuis qu'il y a ce truc-là, soi-disant, il y a une décharge à haut régime. Ouais. Je ne vois pas trop la différence. Gain, donc ça c'est pour vraiment arriver sur le 500 piles que j'ai baissé. Le couple, donc là ça va être pareil. Vous voyez le couple, je peux encore le descendre, je reste à 500. Donc après c'est, voilà. Pour moi, je pense pas qu'il y ait de grosse différence. J'ai juste mis 60 pour que ça soit vraiment pile. Et je pourrais même limite mettre 50 si je veux. Mais je pense pas qu'il y ait une grande différence. Parce que même les valeurs ne bougent pas au niveau de la torsion ni rien. Régime au max, turbo au max. Voilà, pression, elle a pas un gros turbo, hein. Je l'ai mis à 0,6. Et même à 0,6, je trouve qu'elle est trop au niveau du turbo. Ce qui est un peu casse-couille. Et du coup, qui fait que ceux qui jouent sans l'embrayage, sur quelques rapports, vous allez quand même galérer. Donc, si vous ne jouez pas à l'embrayage, testez de jouer avec. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Moi, j'ai mis mon embrayage sur B.
Dès que vous sentez qu'à part un peu du cul ou quoi, un petit coup de clutch. Dès que vous sentez que les rapports est un petit peu mou à monter, un petit coup de cloche, ça va directement le faire monter en régime. Et c'est ça son gros défaut sur celle-là, malheureusement. Malheureusement, j'espère qu'ils vont l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc on est à 0,70 en blocage. Principal très élevé, justement, parce que sinon ça broute énormément. Première à 1. Donc ça va être vraiment les tout petits virages, hein, la une, style pompe à essence ou petite portion dans les deux premiers virages de Aistoug, celle qu'on fait là, la toute petite petite, pas le grand tour. 2, ça va être principalement tous les virages, 2 et 3. 4, ça va être les deux grands virages en serpent sur Aistoug avec le très grand final. Ou même sur Red Rock, pratiquement tous les grands virages. La 5 et 6, je l'ai jamais utilisée. Donc la 5 et 6, c'est vraiment question au cas où pour ceux qui aiment bien passer les rapports. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas rester en rupture, faire passer un rapport pour pouvoir pas avoir le petit bruit de rupture. Moi, je préfère rester en rupture et tout mettre directement dans le couple. Donc ceux qui n'aiment pas, au moins la 5 et 6, ça l'est fait pour ça. Mais personnellement, j'ai jamais utilisé, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont l'utiliser non plus. Le frein, comme d'habitude, à 1000, répartition 44, ça suffit largement. Si vous sentez qu'avec un petit coup de frein, ça part un peu du cul, mettez 40, mais pas moins. Enfin, sinon après, à 30, 32 ou même 25, le frein, il sert complètement à rien. Ça va freiner, ça va regripper droit, c'est pas le but. ABS, oui. Et launch control, on ne changera jamais. On met non. Donc la prochaine voiture, les gars, qui va arriver après la Moon, elle est déjà finie. Parce que j'ai pris un peu d'avance. C'est la RS6 qui va arriver. Et après la RS6, on a la Soro. Que j'ai commencé à peine, donc elle n'est pas prête d'arriver tout de suite. Mais la RS6, voilà, elle est déjà prête. Elle devrait pas tarder à arriver. Elle est finie. Voilà, elle a été testée. Il y a tout qui est nickel dessus. Elle, par contre, c'est The Pépite. Ceux qui kiffent la RS6, qui kiffent le lent, qui kiffent le smooth, qui kiffent avoir des trajectoires bien fluides et bien glissées, elle est faite pour vous, je vous dis clairement. Donc les gars, je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez le petit like, comme d'habitude. Encore merci hein, à la team qui était là. Fox, Neox, il y avait Alex, il y avait Addict et il y avait Nox qui était là justement. Il nous a pris le lead. Même Weo d'ailleurs qui était là. Qui a pris le lead sur la petite vidéo du début où on a vu la S14. Et ben, il nous a quand même sauvé la vie en lead. Parce que mine de rien, on a mis 10 minutes, voire 15 minutes à faire des essais. Chacun a changé de lead, on n'a pas réussi. Nox il est arrivé, je lui ai dit vas-y, tu lead, paf, premier coup. C'était un one shot. Donc merci mon petit Nox de regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde.